Et on est de retour pour plus de Far Cry. Alors, on devait rejoindre un mec. Il fait bientôt nuit aussi. Qui c'est qui tire comme ça? C'est bien les mecs. Sauf que je pense pas que vous apprenez grand chose à tirer des longues rafales comme ça. À part vider le chargeur. C'est pas très très précis, mais c'est pas grave. Alors, rencontrons notre nouveau pote. Welcome. I'm Longinus. And you? You are AJ. Welcome to my church. Away from church. That sells guns? Of course. Well, the meek shall inherit the earth, my friend. All they need are some good guns. Revelation 5:5. It is the most invigorating weed. And one of the elders saith unto me, Weep not! Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and loose the seven seals thereof. It is our savior. It is our savior returned to us as a lion. A warrior! So, I started thinking to myself, when the Son of God is reborn, what gun would he use? When Christ returns to break the seven seals and bring about the rapture, he returns as a lion, yes? A lion needs teeth. What gun would Jesus choose? Deuteronomy 32:47? But there are no empty words for you, but your very life. But maybe Revelations 19:11, the discretion of a man deferreth his anger. I don't know what you're talking about. A soldier knows. A soldier always knows. For we have seen the rapture and survived it. You need guns to do righteous work, AJ. For every gun is a Bible. For every bullet, a sermon. And for every radio tower that you free from pagans' lies, I will give you something. A reward. It is the will of God. Here. This is for the first one. Planetport is under attack! We need fighters here Sabah, now! What's happening? We're under attack! Stay away! Oh, shit! He said to them, go forth into all the world and proclaim the gospel to the whole of creation! Espèce de malade! Tous les personnages de ce jeu sont des fous. Ouais, j'ai pas le temps. Allez, avance, 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 merci. I wish you could remember what it was like back then, Andre. Your mother and I, with you on her hip, oh, those were the days. She was never happier than she was back then, and I should say the same for myself. We had such plans, not just for our little family, but for Kirat. It wasn't always like this. I longed for those days, but then it's too late. I tried. I really, really did. But this place is ruinous. Try not to let them drag you down, Andre. Ishwari didn't send you back here for that. Okay. C'était intéressant. Donc, on est de retour pour du Far Cry. Qu'est-ce que je voulais parler? Ah oui, c'est vrai que en ce moment, il y a le nouveau... Telltale Games de Borderlands qui est sorti. Alors j'ai fini tout ça, hein, j'ai fait mes vidéos et tout. Et bien sûr Borderlands, pour l'intro en tout cas, utilise toujours une musique. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est en train de brûler. Oh, je suis coincé.
Ils utilisent toujours une musique connue en fait. Et bien sûr, YouTube me fait chier à propos de cette musique. Donc, j'ai le choix de couper le son ou de l'enlever, d'utiliser leur système. Mais ça détruit un peu en fait l'audio de la vidéo. Bref. Putain, je suis comme une merde. Là, t'es mort. À droite, à gauche. Oh, le mec en faux. Donc voilà, en ce moment, petit problème, parce que les vidéos en fait auraient déjà dû sortir. Enfin, je pense d'ici là que... D'ici que la vidéo de Far Cry sort, je pense que celle de Borderlands sera sortie. À la première. Il est où le trou ? Ah merde. Donc voilà, assez embêtant ce système avec YouTube à chaque fois. Il s'est suicidé en se brûlant l'autre. Va voir ton pote. Il est où? Il est à l'intérieur. Merde. Donc ouais, il y a ça, le petit problème de YouTube pour les vidéos, c'est assez embêtant. Donc voilà, c'est chiant ce truc de YouTube, j'arrête pas de le dire souvent. C'est pour ça que la plupart du temps, dans les jeux, j'aime bien couper la musique. C'est vrai que bon, jouer sans la musique, c'est embêtant, mais après ça permet en fait de mettre la sienne, et ça j'aime beaucoup. Et bien sûr, faut faire attention à quelle musique on met. Alors, allez où? Pas de joueur! Badger, where are you? Oh, saloperie. Ah, t'es là. I'm all right.
The people need to see her. It'll comfort them. She's just a child, Sabal, and she's terrified. I'll take her home, and then we'll worry about the people, okay? Thank you. You're okay. This is what we get for rescuing Ajay. We hit Paul's house, he slaughters a village. This isn't on Ajay, it's on me. We can't worry about that now. They took the outpost, and they have hostages. Fine. The outpost first. Without it, we're cut off from the others. Come. Yeah, mission complete. Ah tiens, j'ai laissé le jeu en anglais. Oh, c'est bête. Look at this. As if Pagan didn't already have enough to answer for. Ah, ta gueule. Ouais, c'est parce qu'il y a eu la mise à jour et j'avais mis le jeu en anglais et puis bon bah je l'ai laissé. Enfin, de toute façon, en tout cas, il y a les sous-titres en français, donc ça va, c'est bon. We need to talk. What is it? I'm needed in Banapur and Amita is focused on the outpost. So it's up to you to help with the hostages. I know it's a lot to ask, but they must be rescued before we take back the outpost. But Amita said that... The outpost is important, but our top priority should be the lives of those hostages. The people of Kirat depend on the Golden Path for protection. We cannot let them down. Rescue the hostages, brother. On va s'envoler. Donc voilà, donc ça... Borderland, c'était épisode 1, donc terminé, hein, ça va, ça a pris 2h30 à peu près pour le finir. Je pourrais le recommencer, faire des choix différents, mais bon, c'est pas très... enfin, l'histoire principale ne change pas, donc c'est pas très intéressant. Enfin, moi, ce que je fais, c'est surtout pour savoir l'histoire, parce que je pense que le... je pense que le jeu, en fait, va beaucoup... installer l'histoire de Borderlands 3. Donc moi je suis assez fan de l'histoire de Borderlands, donc c'est ça, c'est pour ça que j'y joue. Oh merde. J'aurais bien voulu les tuer. Et prendre leur peau, les dépecer. Ça à l'intérieur. Ouais. C'est quoi ça? C'est des chiens ou des loups? Putain! Je suis bloqué comme un con! Salaud! Putain, les trucs quoi! Ça, c'est un peu con qu'on est bloqué dans l'animation quand on ouvre des portes. Putain, là ça m'a. Ça m'a bien coûté la vie quoi! Quand on entendra des aboiements, on fera gaffe. Un peu plus gaffe. C'est quoi ça? C'est un singe. Ok. Donc ouais, nouveau Borderlands, enfin le jeu de Telltale Games. Ah merde, ah, ça ici je l'ai tué. Intéressant, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et les vidéos arrivent, j'en mettrai une par jour je pense. Qui feront 30 minutes à peu près, donc... ça, il y a aussi... alors j'ai commencé l'histoire de Jack. Histoire de Jack avec Dragon Age, ça va, c'est pas c'est, ça a bien donné pour l'instant, pour la première c'est ok. Oh merde. Il y en a encore. Oh merde. Oh la vache. Ah,
gens ici. Donc ouais, ça a pas mal donné, je suis content. Mais le début est assez dur, on va dire, parce que notre personnage en fait parle pas énormément et je dois avouer que les le texte qui nous est donné est pas très intéressant, enfin les répliques et tout, donc c'est assez dur de faire des trucs drôles. Putain, j'ai plus de munitions déjà. En tout cas, les prochaines vidéos vont être beaucoup mieux, parce que déjà je serai plus libre d'où aller et tout ça, et l'inquisition commence, donc ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt marrant. Bon, j'ai plus de munitions, ça va être la galère. Ça va être la galère. Oh putain, il va falloir sauver 4... Non, 2 personnes maximum. 2 personnes minimum. Et je vais essayer de tous les sauver. Ouais, on va prendre l'arc. Oh. Il y a un truc d'abeille là. Très bien. Ah tiens, on peut aussi verrouiller les... comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Les mecs qu'il faudrait libérer. Les otages, voilà, les otages. On peut aussi... Non. Ok. Bon, apparemment 3 personnes, c'est tout ? Non, 4, 4, ok, ça marche. Oups. Alors... Alors lui, je sais pas comment on va se le faire. Par contre, lui, je vais voir si... Ça a marché. Ah, nique ta race. Ah, Ajay, on passe par un autre endroit cette fois. Et je crois qu'on va se retrouver exactement au même endroit. L'arc est extrêmement chiant. L'arc est extrêmement chiant à cibler. Horrible. Vraiment pas. Chiant. Donc on va recommencer, on était bon. On était bon là. Putain! T'es mort? The hostages are safe, Sabal. You're doing your father's name proud, Ajay. This is what he wanted when he created the Golden Path, to help his people. Look, I didn't come here for my father or any of this. We could still use your help, brother. Look at the difference you've made. I know, I'm asking a lot from you, but helping the Golden Path will take you to Lakshmana. I promise you that. We'll find it together. Thanks, Sabal. Yay. Je crois que par contre les deux autres sont morts. Ça, c'est vraiment horrible. Okay, it's Amita. I know that Sabal put you up to rescuing the hostages instead of taking back the outpost. It's okay. You're new here, and Sabal can be very persuasive.
I just wanted to do my part. And I appreciate that, but you have to see the bigger picture. I was already making arrangements to deal with the outpost, but now I have to retask my fighters so they can protect the hostages you rescued. Protect them from what? Deplore. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and now it's fallen apart. It will be a while before things with Deplore blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't! Mais ouais, I can do this!